Allez, on se retrouve pour la grande finale 2019 entre ces deux jeunes joueurs, Quentin Deroux et l'Américain Kerry Martinez. Alors vous l'avez vu, hein, lors de la demi-finale, Quentin a éliminé Vladimir Zverskov, le joueur russe, et c'est lui qui ouvre ce match. Quentin qui a déjà 4 titres de champion de France jeune à son actif. Allez, c'est parti. Il attaque avec un superbe strike. Ah oui, il a mis une très belle boule, regardez. Toujours avec énormément de révolutions. Il y a un strike explosif et on découvre l'Américain Kerry Martinez qui nous vient tout droit d'Arizona. Il est membre d'ailleurs de l'équipe universitaire ASU Bowling. Et lui, il a un style beaucoup plus classique que celui de Quentin. Très très fluide et une vitesse de boule également aussi rapide que Quentin. Et il répond très très bien avec ce strike. Finale qui s'annonce très intéressante à suivre. Ouais, un strike parfait. Il en veut, hein, le joueur américain, ça se voit. Alors, il a réalisé 227 de moyenne sur les 21 parties de qualification. Donc, il a fait 5 quilles de plus en moyenne que Quentin. Donc, il est à mes yeux favori. Mais bon, sur une finale, on ne sait jamais. Allez, un bon accompagnement de boule. Un strike à l'arrivée, ça fait doubler. Et oui, un doublé Hélène, il attaque très très fort l'Américain. Il faut que Quentin tout de suite lui réponde. Il est volontaire, il est positif, il veut gagner hein, cette finale 2019. Allez, frappe numéro 2 pour le Français. Oh là, ce strike très impressionnant, je le voyais pas pour être très honnête. On va revoir ça au ralenti je pense, ça le fait sourire en tout cas, il a le sourire Quentin. Regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé là et là-bas. Oh, c'est l'un qui a tapé le kickback, a touché la 5 et la 5 a enlevé le 2-8. Ouh là là Hélène, un strike chanceux. Oui oui, c'est très spectaculaire comme figure. En tout cas, c'est un début de partie parfait, pas d'erreur. Et sur cette frame, Quentin laisse la quille 10, rien de grave. Oui, regardez bien la quille numéro 6 là-bas qui a effleuré la quille 10. Elle l'a fait vaciller, mais la quille 10 ne tombe pas malheureusement pour le Français, qui va devoir jouer son spare. Normalement un spare facile pour un joueur oui, de ce niveau, pas de problème. Et l'Américain Hélène qui aurait l'opportunité de tripler. Nous avons affaire à des joueurs très concentrés, sérieux. Regardez, on voit qu'il sourit un petit peu. Il a l'air vraiment à l'aise. Et Kerry semble particulièrement détendu sur cette partie. Avec une approche très fluide. Ouh, triplé, la boule était un petit peu serrée. Il s'en sort bien le joueur américain. On va probablement, oui, on la revoit au ralenti. La boule est très serrée. Et je pense que c'est la quille 9, vous allez voir. Oui, la quille 9 hein, qui est tombée un petit peu à retardement. Mais il prend un petit avantage en ce début de finale avec ce triplé. Et on le retrouve, hein, il enchaîne tout de suite la frappe numéro 4. En tout cas, s'il enchaîne en strike, il va être injouable. Hein, ça va être dur pour le Français. Il a tout le temps à peu près la même routine hein, de préparation.
quadruplé. Oh là là, il attaque très très fort cette finale. Il met vraiment la pression hein, sur le joueur français. Pour le moment, il est parfait. 4 strikes sur 4. Ouais, Kerry est vraiment au top de sa forme. Il va falloir striker pour Quentin. Et c'est parti. Super strike. Ah, j'adore cette boule comme elle prend l'effet en fin de piste. Regardez ça, c'est vraiment super action, super strike. En tout cas, pour le moment, après 4 frames de chaque côté, on a vu qu'un 9 espère. Hein. C'est une finale de très haut niveau aujourd'hui, ici à Dinan. Et le français est déjà à moins 11, hein, puisque l'américain est sur 4 strikes, effectivement. Mais il ne faut pas lâcher, puisqu'on ne sait jamais. Hein. Un petit spare, une petite erreur par-ci, par-là, et le français peut revenir tout de suite. Allez, frame numéro 5. Eh oui. Oh, c'est dommage, cette quille qui n'a malheureusement pas fait tomber la quille 10. Ouais, c'est dommage, on la revoit, regardez bien, c'est là, hein. C'est là qui vient là-bas du kickback. Ça s'appelle un messager, hein. Vous le savez, elle est malheureusement venue mourir dans la rigole. Et Quentin, elle va devoir rejoindre un spare, ça fait pas ses affaires. Allez, pas de problème, spare réalisé, ça fait 2 fois hein, qu'il laisse la quille 10. Il est quand même bien dans cette finale, mais face à lui, là, pour le moment, monsieur perfection, monsieur strike. Allez, Kerry Martinez, sur la frame numéro 5, va tenter le quintuplé, Hélène. Mais à moins que Kerry nous fasse un 300, on n'est pas à l'abri d'une erreur de sa part. Et grâce à la constance de Quentin, tout reste possible. Allez, l'Américain sur la frame numéro 5. Ah, vraiment une approche fluide. Ouh, la boule est pleine. Première erreur de l'Américain. Il laisse le 3-6-10 avec une boule qui est trop serrée. Ouais, regardez, la boule est trop serrée hein, sur la 1. Peut-être une petite option pour le français. Et Kerry, hein, qu'on retrouve, qui a changé de boule. Il a pris une boule en uréthane hein, pour jouer ce spare. Allez, c'est parti. Oh, il nous fait une open, Hélène. Oh, ça va relancer le français, ça. Parce que, eh oui, 115 après 5 frames. Ça va relancer Quentin dans la finale. Il le sait, le français. Là. J'ai regardé sa tête. Il a regardé le score. Et il est remotivé, hein, on dirait, Hélène. Il se dit, ouf, voilà la faute. Je suis sauvé. Alors, dommage pour le spectacle. On n'aura pas de 300, mais opportunité pour notre représentant de revenir dans le match. Et l'Américain qui est reparti sur la frame 6. Toujours la même concentration. Ouais, cette fois-ci, il fait un messager. Contrairement à Quentin qui avait raté le messager tout à l'heure sur la quille 10, c'est bien là. Regardez ce que c'est qu'un messager. La quille 1, regardez, hop, elle a tapé kickback, elle enlève la quille 10. C'est super, hein, on adore ça. Et donc Quentin Deroux sur la frame numéro 6 maintenant. Allez, ça serait bien qu'il strike. Ah, c'est dommage, cette boule qui n'est pas pleine poche. Ouais, il laisse la quille 2. Une boule très fine, il a dû mettre un petit peu trop de vitesse. Allez, faut le spare. Espère facile, pas de problème. Faire un petit point sur les scores, 118 à 125. Avantage à l'Américain car il a un strike, moins 7.
Allez, tout est encore possible, hein, il faut rester concentré. Super strike. Allez, il faut rester positif, on ne sait jamais. Pour le moment, l'Américain a montré quelques signes de faiblesse. Il a réalisé un trou hein, tout à l'heure. Il a une super boule encore du Français. On va assister probablement à une fin de match assez tendue, Hélène. Et oui, nous arrivons déjà à la 7e frame. Allez, c'est parti pour Kerry. Strike parfaitement accompli. Ah, il a mis encore une très belle boule. Hein. Le joueur américain, décidément, il vient de faire doubler en plus. Il reprend un net avantage sur Quentin. Ah ouais, il est dedans, il n'y a rien à dire. Il est dans son match. Alors il est à plus 7, mais c'est plus que ça, hein, parce que le doublé n'est pas totalement comptabilisé. Il est au moins à plus 17 déjà. Et ça va dépendre de la boule qu'il va faire sur cette frame 8. Et strike encore, magnifique. On approche tout doucement de la fin du match et ça s'annonce de plus en plus compliqué pour Quentin. Mais il va falloir qu'il maintienne quand même son rythme de strike, on ne sait jamais. Hein, parce que si Kerry nous refait un petit trou, on ne lui souhaite pas bien sûr, mais ça lui permettrait de revenir. Mais il faut qu'il double Quentin, Hélène. Hein. Oui, là il n'a pas le choix. S'il ne veut pas se laisser distancer une bonne fois pour toutes. Superbe strike. On la revoit au ralenti. Une jolie dynamique. Allez, frappe numéro 9, c'est vraiment la fin de cette finale. C'est très serré hein, parce que Quentin a réalisé ce doublé au bon moment. Il faudrait qu'il triple pour mettre la pression au joueur américain, car Quentin finira la frame 10, hein. Il va jouer la 9 et l'américain fera la frame 9 et 10 d'affilée. Allez, il faut le strike encore. Et il le met, ça c'est un mental de champion, bravo. Car pour le moment il a fait son contrat, hein, parce qu'il le fallait ce triplé pour rester dans le match. Et bien joué hein, Quentin. Regardez, il en veut. Ah ouais. Ça, c'est une très belle réaction. Et l'Américain, Hélène, va avoir un petit peu la pression. Oui, enfin, il semble quand même bien détendu. Hein. Il y a toujours le petit sourire en coin. L'air de dire « Rien ne me touche, je suis dans mon jeu, jusqu'au bout. » Allez, frame 9. C'est parti. Encore un super strike de l'Américain, c'est fantastique. Ils se répondent du coup pour coup. Et avec ce quadruplé à nouveau, il va jouer la frame numéro 10. Ah, s'il fait strike là, c'est bon pour lui. S'il fait strike à la frame 10 sur la première boule, ça va être bon. Ah, il le sait, je pense, Kerry Martinez. Regardez. Alors ça fait un peu bizarre, hein, ça affiche avec un 7-2 au milieu. Sinon, c'est que des strikes. Allez, frame numéro 10. S'il le met là, c'est gagné. Allez, grosse concentration. Allez, c'est parti. Oh la 7, dommage. Dommage pour l'Américain. Oui, regardez cette boule. Elle est un petit peu fine, hein, c'est pour ça qu'il a cette qui 7. Ah, il y croyait, il y croyait.
Ah, il est déçu. Alors, il lui faut le spare néanmoins. Avec la bouluréthane. Oh là 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 là, il la rate, c'est pas possible. Il fait que des strikes et deux trous. Oh, c'est dingue. C'est incroyable, Hélène, ça va peut-être permettre à Quentin de gagner le match, cette erreur. Un petit peu à l'image de Vladimir Zverskov en demi-finale. Il avait raté la 7, et bien... Kerry aussi. Regardez le contrat, Hélène, de Quentin. Il lui faut strike plus 5 espère pour gagner. C'est encore jouable. Ah, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Effectivement, c'est exactement le même scénario que durant la demi-finale. Oh, quel dommage. Il laisse 3 quilles. Ah oui, alors là, il a dû trop forcer cette boule. Il laisse la victoire à Kerry Martinez, du coup, Hélène. C'est dommage. Ah, il n'a pas su profiter de cette opportunité. Alors, regardez l'Américain. Hein, il a le sourire. Ça y est, il sait qu'il a gagné. Et le Français, maintenant, bon, cette boule ne compte plus. Voilà, on se perd quand même, mais c'est fini. Il va jouer une dernière boule, mais l'Américain est bien le vainqueur 2019 de la Kubica MF Bowling Promotion Cup ici à Dinan. On a assisté à un très beau match. Et Quentin est déçu. C'est dommage, hein, parce qu'il aurait pu gagner. Il a peut-être mis trop de vitesse sa dernière boule. Allez, sur les applaudissements du public. Il va jouer sa dernière boule. Allez, 7, c'était pour l'anecdote. Score total, 222 pour Quentin, 232 pour Kerry. Les joueurs se félicitent et je vous dis à très bientôt pour plus de bowling. À bientôt, Hélène. À bientôt, Bruno. Alors Kerry, un match très intéressant entre Quentin et toi. Ça s'est joué sur la fin du match. Félicitations. Merci beaucoup. Un match très sympa. J'ai fait beaucoup de strikes, mais j'ai raté mes deux spares et ça a bien failli me faire perdre cette finale. Nous avons le même coach, je crois. Comment tu t'es préparé pour ce tournoi? Bonne question. Normalement, je m'entraîne 100 parties par trimestre. C'est pratiquement 1000 parties que j'ai effectuées durant ce dernier mois. Je crois que ton coach a regardé ce match et il a dû être très impressionné par ta performance. Je vais laisser le micro à Guillaume et à Manuela de Kubica MF qui vont te remettre ton trophée. Okay, Kerry, congratulations to you. It's been a pleasure for us to be with you guys. Bravo Kerry pour cette victoire, pour cette performance. Bravo également à tous les joueurs qui ont participé à cette semaine de compétition. Également félicitations à toute l'équipe d'organisation et je vous dis à l'année prochaine.